שלום רב לכם, שלום איציק. שלום וברכה אלי. שלום רב. צריך להגיד שלום רב, כי עכשיו זה חדשות, אז זה צריך להיות יותר רשמי. אנחנו נחזור על החדשות של השבוע שעבר. נכון, אלה יהיו הכותרות, ואנחנו נלמד את הכותרות. בבקשה. כן, אז הכותרת הראשונה. דימוש. יום ראשון. היום ו' בכסלב מציינים 47 שנים למותו של דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. אוקיי. הבנו את ה... ראש הממשלה הראשון, יעדוף הראש. נכון. היום, דוק, aujourd'hui, וו בכסלב, דוק, c'était le 22, c'était le 6 du mois de כסלב, מציינים, alors לציין. כן, לציין, c'est aussi précisé. Quand tu veux dire, par exemple, je précise que... Oui. Donc, c'est לציין. Mais alors là, c'est pas, c'est pas précisé. Là, il y a un autre signification. Ça, ça veut dire marquer. Ça veut dire marquer aussi, לציין. Voilà. Et on est bon, on peut pas célébrer la mort de quelqu'un. Oui, que ça, on célèbre pas. L'ochogegin. Voilà, l'ochogegin est mavet, parce que c'est l'ochagiga. Metzayinim. Bidiouk. Metzayin, donc marquer le 47e anniversaire, on dira en français, donc les 47 ans. Les motos, c'est drôle parce que c'est Arbaim Sheva Shanim, les. Okay. C'est bizarre, parce que les, normalement, c'est faire le futur, mais là, c'est vers... Le passé. C'est pour la mort de... Ouais. C'est les littéraires. Moto, shell, Mavet, David Ben-Gurion. À Mavet, shello. D'accord. Mavet, shello, ça donne moto. Ça se dit pas en hébreu moderne, bien, bien sûr. Shell, David Ben-Gurion et Rosh Hamshala. Le premier ministre. Harishon. Le premier premier ministre. Shell Medina d'Israël. De l'État d'Israël. Ok. Lundi. Yom Sheni. Hamshala ishra etmol hakalot bekabalat rishonot refua beYisrael lerofim veachayot olim chadashim. זאת בשורה טובה להרבה... יהודים בצרפת שהם רופאים או אחים או אחיות שמתכוונים לעלות לישראל. ולעבוד. וגם לעבוד כמובן. הממשלה אישרה אתמול, donc le gouvernement a confirmé hier הקלות בקבלת רישיונות רפואה, donc des allègements dans l'obtention de permis médical בישראל, en Israël, les רופאים pour les médecins, והחיות, et c'est pas les sœurs ici, c'est les infirmières, olim chadashim, qui sont nouveaux immigrants. Oui, il ne faut pas oublier que les HR, ça veut dire en hébreu confirmé. Oui, comme les HR Tissa. Voilà. Confirmé un vol. C'est confirmé, mais aussi autorisé. Oui, et là, là c'est... Et là, c'est plus le donné sens. C'est dans les deux. Elle a autorisé ouais, hier, et Hakalot, étudiant en français, c'est des allègements. Des allègements, voilà. Hakala, Hakalot. Okay. C'est pas de cal. Rishionot, c'est le plural de Rishayon. Nahon. Comme Rishion et Igan. Alors, en hébreu, il faut dire Rishion. Les Israéliens, ils disent Rishayon. Voilà. Mardi. Yom Shlishi. Divuchim. Rosh HaMemshala et Rosh HaMossad bichou b'chashai b'Saoudia v'nifgashu im Yoresh HaEtzer ben Salman yachad im Sarachutz shel Arzot Abrit. Oui, ça, ça veut dire Arzot Abrit. Divuchim, donc, compte rendu. C'est même de le devoir. Voilà. C'est donné un rapport. Rosh HaMemshala, le premier ministre de Rosh HaMossad et le chef du Mossad Bikrou Bechashai. Bechashai, ça veut dire en secret. Voilà, donc ils ont visité en secret Bessaoudia, les Bakr B, toujours. Bakr Bessaoudia en Arabie Saoudite, Venif Geshu Im, les Ipagesh Im, toujours. On peut utiliser aussi Vepakshu Et. Bien sûr. Yoresh Ha Etzer Ben Salman, donc Yoresh c'est l'héritier, Etzer ça s'arrête. C'est ça. C'est un délire roche, Yoresh. Voilà. Yoresh c'est l'héritier, bien sûr, héritier. Hérité. Donc ça veut dire le régent. Okay. Le régent, en bon tu français. Connais ça mieux que moi voilà. En français. Ben Salman, il s'appelle Ben Salman. Yachad im Sarachutz, donc avec le ministre des Affaires étrangères. Shel Arzot Abrit des États-Unis. Mercredi. Yom Revi. Asson Bechel Ha'avir, Madrich Vechanich, Bekurs Hatayis, Nehargu Etmol, Behitraskut, Metosam, Badarom. C'est Asson. Asson, c'est catastrophe. Khel Avir, c'est l'armée de l'air. Alors, je vais traduire. Asson, Khel Avir, une catastrophe. Comme tu as dit catastrophe, ça se dit aussi. Asson, Khel Avir, donc catastrophe dans l'armée de l'air. Madrir, un moniteur. Et un guide aussi, parce qu'on connaît aussi le mot Madrir. Bechanir et un étudiant. Bekurs Hatayis, en stage de pilotage d'aviation. Nehergu et Mol ont été tués hier, Beitraskout, dans un crash, Metosam, dans le crash de leur avion, Badarom, dans le sud. Voilà, Itraskout, ça vient du verbe, le hitrasek, ça veut dire s'écraser. Il y a l'érasek écrasé, et le hitrasek, c'est pronominal, s'écraser. Donc c'est une catastrophe, évidemment, on connaît resek, resek, c'est un écrasé de, oui. Resek de tomates. Resek agvaniot. Ah, resek agvaniot. Désolé pour le rapprochement, c'est un peu laid. Metosam, c'est un matos, shelahem. C'est la déclinaison. Jeudi. Yom Chamishi. Sofa shel Agada, kochav ha-kadouregel Diego Maradona, halach le'olamo begil 60. Sofa shel Agada. C'est la fin d'une légende. Attention, Sofa, c'est pas Soufa ici. Hein.
Non, Soufa, c'est quoi, c'est une tempête? C'est une tempête, oui. Non, c'est Asof, Shel, Shela. Shela, chez qui? Shel Agada. Agada, c'est féminin, donc okay. la fin de, d'une légende, attention, c'est avec un Aleph ici, hein. C'est pas la Agada de Pessah. Uh-huh. C'est la Agada, la légende. Agada de Pessah, c'est avec Hey. C'est avec Hey. C'est pas le verbe le Hagid. Là, c'est un mythe, une légende. Kochav, c'est pas l'étoile, c'est là. C'est le star. La star. En fait, la star en hébreu, c'est étoile, on dit. Voilà. Kochav Akadou Regel, la star de football, Diego Maradona, Halach Leolamo, Begil Shishim, est allé dans son monde, ça voilà, veut dire c'est une partie de dire, enfin, c'est une façon de dire, il est décédé. Il est décédé, ouais. Voilà. On pourrait dire en français, il s'en est allé. Halach Leolamo, Begil, à l'âge de 60 ans. Ah. Et on va terminer par vendredi. Yom Shishi. Mitzafon ve Adarom, Kamuyot, Geshem Gdolot ve Hatzafot. Du nord au sud, jusqu'au sud. Kamuyot, Kamut. Kamut, c'est bien le mot Kama. Et combien, ça veut dire la quantité. Les grandes quantités de pluie, puisque Gdolot, Kamuyot, Gdolot, de pluie. Ve Hatzafot. Hatzafa. Hatzafa, ça vient du verbe. Latif. Nachon. D'accord. Les Hatzif. Voilà, je te laisse la traduction. Alors, Hatzafot, ça veut dire des inondations. Voilà, Hatzafot, c'est inondation. C'est ce qui se passe actuellement en Israël avec la pluie. Moi, j'aurais dit Shitfonot. Shitafon. C'est le synonyme. Ah, d'accord. Shitafon. D'accord. Mais Hatzafot, c'est vraiment... C'est vraiment fort. C'est beaucoup plus fort. C'est vraiment les gens, ils sont... C'est un peu vénitien. Oui, c'est une submersion, quand même. On est submergé par l'inondation. Venise. C'est que Toda Rabba. Toda Rabba Lachem. Mais les Taot. Ouais.